Merci. Wana totelemisi mosakoli elongo na mabongo likota ona tina na koya kotea libuta Que le Seigneur Jésus-Christ accompagne la moko na moko. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout et chacun de nous. Nous allons très reconnaissants na tango yozamba besibiso. Nous sommes très reconnaissants par rapport au temps nous imparti par le Seigneur. Nous y pema oyo na makasi na biso te. Et nous n'avons pas reçu ces souffles par nos propres forces. Ezate na misala malamu na biso to ya mabende. Ce n'est pas par nos bonnes ou nos mauvaises œuvres que le Seigneur nous a donné ce souffle. Mais animé par sa grande miséricorde, par sa bonté. Mais c'est par sa bonté, par sa miséricorde que nous l'avons reçu. Et le lingépé pasteur Seba Lobaki. Et comme aussi. D'autres aussi que le Seigneur a pris et que. Mais un bébé a. Mais le Seigneur a préparé qu'ils aillent se reposer afin que nous soyons là. C'est parce que leur parcours a pris fin par la grâce du Seigneur. Et si nous sommes encore, c'est parce que le Seigneur a beaucoup d'autres choses d'accomplir dans nos vies. Il voit les imperfections dans nos vies. Et on a besoin de son biso par sa grâce. Et le Seigneur a besoin de nous aider par sa grâce. C'est pourquoi à tout temps nous lui rendons des actions de grâce. Lui qui est digne de lui qui est le Dieu vivant. Avoir ce Dieu-là, c'est tout avoir. Lorsque tu as situé la croix que tu as tout. Aza solution na nyons. Il est la solution à toutes choses. Azali oyoyo aza na makoki ezangandelo. Il est celui qui a des capacités illimitées. Asala kama kambeleke la kabate. Il fait des choses qui surpassent l'entendement des hommes. Il faut croire. Que le Seigneur te fait beaucoup de bien. Et ces bontés-là sont innombrables. Dans ma faiblesse, il m'assiste pour que je marche parce qu'il est Dieu. Là où les gens allogent, le Seigneur m'a guéri. Prends courage. Sois molende. Il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur a fait. Et si le monde a condamné, Zamba a compati. Là où le monde me condamne, mais lui compati. Ça, il faut croire. Il faut que ça soit Zamba yo a tonda bolingo. Ça, il faut croire que tu as un Dieu plein d'amour. L'écriture était ici, puisque Azali est Dieu prêt à pardonner. L'écriture nous dit qu'il est le Dieu prêt à pardonner. Et. Bible le dit que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Atia pardon pour Nazangabana na été. Il avait établi le pardon afin qu'il ne manque pas ses enfants. C'est ça l'œuvre de la croix. Amen. Pour pardonner. Il est venu nous pardonner. Pour ramener tous ses enfants dans son amour. C'est pourquoi ce matin dans Zacharie 3. C'est pourquoi en lisant Zacharie chapitre 3, Bible lobby, la Bible dit Josué le souverain sacrificateur a vaincu vraiment les lambas à salité. Josué le souverain sacrificateur avait
vraiment des vêtements. Satan zo funda yebone lamba. Et Satan était à sa droite pour l'accuser. Mais Zamba délémeri Satan. Mais le Seigneur a repoussé Satan. Et loko ya tira ngai plus soin. Ce qui m'attire plus dans cette. Les années Josué sacrificateur munoko nae efungwa mate. Et que la bouche du souverain sacrificateur n'était pas ouverte pour réclamer. Parce qu'Azalaki est le boya Israël. Parce qu'il était le signe. Atana ma benae lolingazali akobika par grâce. Et même dans son humilité, mais il sera sauvé par la grâce. C'est le Seigneur qui a défendu qui a délémeri Satan. C'est le Seigneur qui l'avait défendu en réprimant. Après a ordonné ôtez-lui les habits sales. Après, le Seigneur a donné l'ordre d'ôter les vêtements sales à Josué. Ôte-lui les vêtements sales. Et lui n'avait point ouvert la bouche. Son amour. Mais le Seigneur avait regardé son amour. Et si tu lis le verset 9, na dixième, ya Zacharie 3, au verset 10 de Zacharie 3, azolo ba, c'est comme ça qu'il a kolongola iniquité à Israël dans un jour. Et c'est comme ça qu'il va ôter l'iniquité du peuple d'Israël. Parce que beaucoup t'aiment dans ta fausse adoration. Parce qu'il viendra trouver le peuple dans la fausse adoration. Azo adorer la bête. En train d'adorer la na bête. La deuxième moitié après la mort à Dezon. Dans la deuxième moitié après la mort de Dieu. Mais le Seigneur a koya à cause de son amour. Mais le Seigneur viendra à cause de son amour. Il va frapper la bête et le roi de la terre. Il va frapper la bête et le roi de la terre. Mais à côté de ça, bon maman et pas Israël. Mais il va manifester la maternité envers Israël. Ésaïe 66, verset 13. Comme nous l'avions dit précédemment dans Ésaïe 66, le verset 13. Je serai une mère. Nakosa la loko la maman. Pour un fils. Loko la moano ya mobali. C'est ça Dieu. Yango nzambe. Sa miséricorde dira toujours. Oligonae ou melaka kaka. Et tamozo ki melepa nae dima ke yenda bongisi ya bongisa yo. Et lorsque tu fuis vers lui, crois que c'est lui qui a préparé de t'amener à la perfection. Yenda bongisi a bomba yo. C'est lui qui a déjà prévu de te garder. A dit kaka jamais poste nae vide. Il n'abandonne jamais son poste. Poste nae zane. C'est quoi son poste? Il vient en aide. Ayaka na lisungi na kitani ya balama. Donc poste na yezali. Donc ici kani ya musala. Il vient en aide à la postérité d'Abraham. Ayaka na lisungi na bana ya balama. Donc quel que soit le problème. Tu les trouveras à son poste. Alors ben, je ne vous laisserai point orphelin. Assurance ya maloba ya Nzambe. L'assurance des paroles de Dieu. C'est parce que sa parole est vraie. Un homme de la terre me dit que je pourrais t'aider. Mais un jour il va se lasser de toi. Il te dira que tu es déjà grand. Aussi tes propres efforts. Mais le Seigneur, depuis que tu étais dans le sein maternel, il t'avait aimé et t'a gardé. Tu es venu sur la terre. Dans beaucoup de combats, même lorsque tu ne les connaissais mais pas, déjà. Mais lui t'avait déjà saint. Non, c'est vraiment l'amour. Et ça vraiment monumental. Dieu nous a aimé tant mon âme tous à la qui m'a bé. Le Seigneur nous avait aimé lorsque nous étions encore pécheurs. C'est ça Romains 5. C'est ça Romains 5. Donc il faut et le coup est fondamentalement à Katinaio que Dieu t'aime. Il faut que cela repose vraiment en toi que le Seigneur t'aime. Oyo kayango, quel que soit les problèmes. Que tu puisses vraiment les sentir malgré les combats. On tient conclusion que Dieu m'aime. Que tu puisses toujours conclure que Dieu t'aime. Et le courant ne fait résonner dans Katia Naomi. Le courant ne sait que les lacs à l'ocola mbonga mikolonyo. Et c'est ce que Kosimba Yomakas Naonzela. Et c'est ce qui va vraiment t'assister de l'amour du Seigneur. Oligo Yankolo. Na Tangi, verset 6e. Je lis le verset 6. Non, verset 5. Le verset 5. Na 6. Et 6. Il y a Apocalypse 6. Apocalypse 6. Nous sommes à troisième psaume.
Nous disons nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, c'est pas que nous la biso. Et j'entendis au milieu, quand il ouvrit les trois sceaux, j'entendais le troisième être vivant qui disait « Viens ». J'ai regardé et voici Paris un cheval noir. Celui qui l'est monté tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais mal à l'huile et au vin. Que Dieu bénisse cette écriture. Lelo tozali le 4 octobre 2021. Aujourd'hui nous sommes le 4 octobre 2021. Tozali toujours dans l'enseignement na biso na assemblée des saints na Ariwara. Nous sommes toujours dans notre enseignement dans l'église des saints d'Ariwara. Et na Ituri, na est de Congo. Dans la province de l'Ituri, à l'est de la RDC. Et Bandekonios, Bazoulandabiso, de partout au monde, que Dieu aussi vous bénisse. Et les frères qui nous suivent de partout dans le monde, Zambé à Pambolabino. Et tous allez croire que le Seigneur Azali Telema Mounene, à Pambolapé, l'ensemble est sur place ici. Et nous croyons que le Seigneur est tellement grand qu'il bénisse aussi l'assemblée qui est sur place. Et nous croyons que le Seigneur est tellement grand. Tout bétéli et ce qui sont beaucoup passés avec vos mérités à vous. Il mérite nos acclamations parce qu'il est vainqueur. L'honneur nous lui rendons parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Déjà par la grâce de Dieu. Nous avions montré hier par la grâce du Seigneur. Nous insistions que makambuya likolo elilingi nango ezalaki. Que les choses célestes avaient leurs ombres dans les choses terrestres qui étaient en Israël. Ce qui est aujourd'hui texte, il y a Hébreu 10, verset 1er. Si nous prenons les textes d'Hébreu 10 au verset 1er, Balobi, la loi possède l'ombre de biens à venir. Mobeko et Zalakana et Lili. Donc, ce que tu as dit dans Katia Mobeko, donc si tu regardes dans la loi, tu vas rencontrer le bien à venir. Mais comme l'ombre de choses, ombre ou bien image. Donc, comme les images de Jésus. C'est pourquoi nous avions montré. Zambé a joué qui Moïse. Le Seigneur avait pris Moïse. Et puis, il a monté sur la montagne. Il lui a dit de monter sur la montagne. Atalisaye, l'oule qui mimi a posale la ye, ndaku ema. Et de lui montrer le modèle qui devait ériger le tabernacle. Et ce qu'on joue Exode 25. Et si tu prends Exode 25, dans verset 8e.
au verset 8, que vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Et c'est par les tabernacles que le Seigneur est venu habiter au milieu de vous. Comme le signe. La manière dont il a établi là comme le trône, le tabernacle. Le tabernacle, na makolo, au ciel, na drone, le trône, Apocalypse 4 est allé sur ce qu'ils ont quatre êtres vivants. Apocalypse 4 nous a montré qu'il y a quatre êtres vivants. Quatre êtres vivants, ils en ont un bwende. Et ces quatre êtres vivants sont sur le trône. Tous ceux qui mènent l'écriture. Alors nous avions pris l'écriture. Tant au tangaki, na verset 6e. Lorsque nous avions lu au verset 6, il y a Apocalypse 4. D'Apocalypse 4, il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Et ça là qui liboso ya ngwende lokola etando ya mai ya talata. Semblable à du cristal. Oye kokani na cristal. Au milieu du trône. Na katikati ya ngwende. Autour du trône. Pe na tinga tinga. Il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Et ça là na dikela mobine na bomo iba toni sami miso libanda. Et l'obélio totalisa ki yango. Et l'obéligoyo, c'est l'angage que nous l'avions montré au milieu du trône, autour du trône. Tant aujourd'hui au milieu du trône. Lorsque nous avions pris au milieu du trône, écriture et limbola magaka na likomi mususuka. L'écriture est interprétée par une autre écriture. Tokeina Apocalypse 5, verset 6e. Nous nous sommes rendus dans Apocalypse 5, le verset 6. Et je vis au milieu du trône. Benamoni katika tiapwende. Des quatre êtres vivants. Et pe na katika ti ya babikela omine na bobo. Et au milieu des veillards. Pe na katika ti abampaka. Un agneau. Moi n'en pas de mon corps. Qui était là comme immolé. Oya sala ki wana lokola bakoma bakataki. Il avait sept cornes et sept yeux. Asala ki na maseke sapope miso sapo. Qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Oye sali milimo sapo ya nzambe batinda na mabele mobimba. Et loko ali boso ya koyeba. La première des choses à saisir. Au milieu des êtres vivants. Na katikati. Au milieu du trône. Il y a un agneau. Moi n'en pâté mon voisin. Si vous prenez au verset 6, si vous prenez au verset 6, au milieu du trône aussi, il y en a quatre êtres vivants. Au milieu du trône, il y a aussi quatre êtres vivants. Cela veut dire, verset 6e, il y a Apocalypse 4. Cela veut dire le verset 6 d'Apocalypse 4. Les quatre êtres vivants au milieu du trône. Les quatre êtres vivants qui sont au milieu du trône. Bango manande babengi bango na verset 6e, Apocalypse 5, agneau. Ce sont les mêmes qui sont appelés au verset 6 d'Apocalypse 5 comme un agneau qui était là. Et agneau yazali awa. Et l'agneau qui est là. Quatre êtres vivants zana katina yé. Les quatre êtres vivants sont en lui. C'est pourquoi nous avions montré l'homme. Et l'ilingi agneau est aussi souverain sacrificateur Aaron. Donc l'ombre de l'agneau au milieu du trône, c'est le souverain sacrificateur Aaron d'Aaron. Aaron. Azaraki na quatre bana na katina ye oya bimisa boye o bazaki na service. Aaron avait quatre fils en lui qu'il avait manifesté dans le service. Donc tant bana bazaki na katina ye, lorsque ces quatre fils étaient en lui, ezaneti na katia trône. C'est comme si c'est les êtres vivants au milieu du trône. Tant a bimisi bango, lorsqu'il les manifeste et que ba botami ba koli ba koti na musala bakomi autour du trône. Et qu'ils furent nés et entrés dans les services, c'est comme les quatre êtres vivants autour du trône. Que Dieu bénisse. Amen. Yangonde tozwa qui na verset 6e encore, il y a Apocalypse 5, 6. C'est ce que nous avions pris au verset 6 d'Apocalypse. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants. Benayoka qui na katikati abikela au milieu. Déjà au milieu. Au milieu déjà. Déjà tout le monde qui a verset 6. Déjà, nous l'avions vu au verset 6 d'Apocalypse 5, c'est l'agneau. Je pense que nous aurons un malin. Je pense qu'on suit attentivement. L'agneau. C'est l'agneau. Na katinaye. En lui, l'agneau. Il y a quatre êtres vivants. Il y a le quatre êtres vivants. Les quatre êtres vivants, on est en kaye, mokona misala naye. Ces quatre êtres vivants, c'est lui-même l'agneau dans ses attributions. Et ma pisa qui l'olingena yango. On avait donné sa manière ou sa façon. Balobi,
Moko a kokani na lion. On dit l'un avait la face d'un lion. Voilà le verset 7 d'Apocalypse 4. Le verset 7 d'Apocalypse 4. Yami bala kokani na veau. Le deuxième était semblable à un veau. Yami sata kokani na face d'homme. Et le troisième avait la face d'un homme. Yami aigle qui vole. Et le quatrième avait été semblable à l'aigle qui vole. Par la grâce de Dieu, nous parlerons de la profondeur de toutes ces choses. Mais je voulais d'abord qu'on puisse identifier. Que nous sachions. Verset 6e. Le verset 6. Il y a Apocalypse 6. D'Apocalypse 6. Oui, le dit, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait. Nayokaki nakatikati ya bikela omine na bomo mongongo moko koloba. Et de comprendre mongongo wana ezande ya anio ibule. Nous avions compris que cette voix là au milieu de des êtres vivants, c'est la voix de l'agneau qui était là. Parce que deuxième, on a verset 6e et Apocalypse 5. Parce que nous l'avions pris au verset 6 d'Apocalypse 5. Il y a mon étourbelle qui dimanche. C'est ce que nous avions parlé hier dimanche. Et totalisa qui image où il y a un être vivant dans ces alagi comme Banaya Aaron. C'est pourquoi nous avions montré les images des êtres vivants sur la terre. C'était les quatre fils d'Aaron. Musala ou ezalaki ya bango. Et le service qui était le leur. Tozwa ki na mukanda ya nombre 6 verset 27. 22 à 27. Nous avions pris dans Nombre chapitre 6 le verset 22 à 27. Tout en yamo encore le lo na kombo na Jésus Christ. Nous la réalisons au nom de Jésus Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit. Yahweh alobela kimose pe atalis. Parle à Aaron et à ses fils. Lobela alona pe na bana. Et dit. Petalisa. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Bino boko pambola kabo ebana Israël. Vous leur direz. Bino boko lobela kabango. Que l'Éternel te bénisse. Yahweh apambola yo. Et qu'il te garde. Pe abatela yo. À combien de versets 25e et à nombre 6. On continue dans 27. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Yahweh angekisa elongina ye likolo na yo. Et qu'il t'accorde sa grâce. Pe atalisa yo koluna ye. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Yahweh abalusa elongina ye kotala yo. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Paix à paix, ça y est, kimia. Amen. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et Zali Bongonde Alona Pena Bananae Bakotia Kobonaga Likolo Yabana Isalene. Et je les bénirai. Paix Kaina Kopambo Lakaba. Donc, Zambé à Pesse Kibango. Mokumba. Donc le Seigneur leur avait assigné une charge de prendre le nom de Dieu et de le mettre sur le peuple. Donc, ce qui était ce peuple-là d'Israël devant Dieu. Ce qui est Esaïe 54, dans verset 5. Si tu remarques dans Esaïe 54, le verset 5, l'Écriture dit. Car l'Éternel est ton époux. Yahweh Tabenayo Azali. Car ton créateur est ton époux. Azali Mobali Nao Yalibal. L'Éternel des armées est son nom. Yahweh Nabibele le Kombona. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Abengami Yahweh. Là, j'ai lu le verset 5 d'Isaïe 54. L'Éternel est ton époux. Yahweh Azali Mobali Nao Yalibal. Israël Azalaki, moi si à Yahweh. Donc, Israël était l'épouse de l'Éternel. Or, moi si à Memaka Kombo ya Mobali Nae. Or, la femme porte le nom de son mari. Maintenant, n'y a pas quoi pour pécher Kombo. Alors, mais qui viendra lui donner ce nom? Banganga Zambé. Les sacrificateurs Aaron et ses fils. Alors, pour qu'ils puissent porter ce nom, Kombo, ils ont la Kombo, Namutum.
que les noms soient comme la tête ou à la tête des noms. Ces noms-là proviennent de la main de sacrifice. Ils mettront mon nom sur eux. Yango, pour les dieux créateurs Israël à Zamoisi. C'est pourquoi pour l'éternel créateur Israël et l'épouse. Mais tant voyez pour ça la rédemption pour l'humanité. Mais lorsqu'il est venu accomplir la rédemption pour l'humanité. Aïe comme l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Il est venu comme l'agneau et à Zolongolani sous mon outil. Olansamenenge Jean Lobakina Jean chapitre 1er verset 29 et 30. Suivant les paroles de Jean-Baptiste et dans Jean 1er le verset 29 à 30. Et à répéter qui aussi dans le verset 20, 36e. Et il avait répété aussi dans le même chapitre, verset 36. Là, Tosu Ephésiens 5. Là, nous avions pris Ephésiens 5. Verset 22 à 33. Le verset 22 à 33. Bisso maintenant l'église, Tosali, moi si à Christ et Jésus. Et nous, maintenant l'église, nous sommes l'épouse du Christ et Jésus. Nani, moi si à Créateur. Qui est la femme du Créateur? Israël. Israël. Maintenant, moi aussi, l'agneau de Dieu. Mais qui est la femme de l'agneau? Église. L'église. Et ça, des dispensations, temps. Donc, c'est deux temps prophétiques. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que maintenant, moi aussi, l'église. Maintenant, la femme qui est aussi aujourd'hui. Il faut porter le nom de son époux. Doit porter le nom de son époux. Maintenant, qui vont l'amener ces noms afin que ces noms soient sur elle? Les véritables quatre fils d'Aaron. Banamine Yalouna et Solo. Dieu bénisse. Amen. Les véritables quatre fils d'Aaron, ce sont les quatre êtres vivants. Et les véritables quatre fils d'Aaron sont les quatre êtres vivants dans la vie. Bangonde Bazo se retrouver dans Katia Nio. Ce sont eux qui se retrouvent dans l'agneau Jésus. Rôle na bango balati sa moisi agneau. Et leur rôle c'est faire porter le nom de l'agneau à la femme de l'agneau. Oyo nde na zotari sa pona ko confirmer que moisi na Yesu Christo akokweya te. Je suis en train de parler pour confirmer que la femme de l'agneau ne tombera jamais dans les temps. Abongisami en étolama. Elle est préparée à être enlevée. Témoignage d'Apocalypse 12. C'est pourquoi nous avions un témoignage d'Apocalypse 12. Balobi, un grand signe parut dans les ciels. Et les moments où yamonene et bimaki na makolo. Une femme qui était en travail avec na zemi. Moi si mon quoi zala qui collait la passe à zemi. Et azala qui enveloppé du soleil. Puis à l'attaque moi il collait la bas. La ligne sous ses pieds, sans annoncer à ma couronne à 12 étoiles, couronne en intéressant à enseignement. Et cette couronne représente l'enseignement. L'enseignement des 12 apôtres. L'idée à Yaba Thomas Ominamibal. Oui, ça, enseignement Christ et Jésus. Oui, ça, l'idée à Yézani Jésus Christ. Soleil à Zanetti et Lamba. Le soleil, c'est comme le vêtement de la femme. Donc moi si azasona est tout bouté à l'ouvrir la condamnation. Donc cette femme n'est plus condamnée, elle est sous la justice. Azui justification. Donc elle est justifiée cette femme. Et a tiema kolonaye na lin. Et elle a posé ses pieds sous la lune. Josué 1 verset 3 Elobi. Josué 1 le verset 3 dit. Et si kana tiema tambe nanga epesa melinga initi di bula. Là où j'ai posé la plante de mes pieds, cela m'a donné un héritage. Place wana, l'inouane botanisa, terre promise. À cet endroit-là, la lune représente la terre promise. Oezali, comme la parole que nous avons aujourd'hui. Qui est comme la parole que nous avons aujourd'hui. Mais, et babengamo, grand signe, pourquoi? Mais pourquoi on appelle cela grand signe? C'est vraiment grand. Ezali, penza moné. Parce que Colossiens 1 le dit. Parce que Colossiens 1 dit ceci. Dieu grand a yekofana na kati na biso. Sabe monene est venu habiter en nous. Le mystère, c'est que Dieu en nous l'espérance de la gloire. Christ kati na biso et liké en kem. Ya monde est très grand. Et c'est pourquoi ce signe-là est très grand. Zamba zakofana na kati na batute. Le Seigneur n'habitait pas dans les hommes. Zayi ko utiliser kak. Il ne
utilisé que les hommes. Mais les loups. Mais aujourd'hui. Afandi na kati na yo. Il est venu habiter en toi. Non, c'est très grand. Et ça, il est mon nénè pétan. C'est très grand que vous en ensemble les loups. C'est très grand que tu aies le Seigneur aujourd'hui en toi. Que Dieu te bénisse. Zambé a pas pour la yo. Zambé mon bébé pas na yo. Donc, un grand Dieu, mais qui habite en toi. Je pourrais avoir une maison méprisable. Mais ceux qui m'ont conduit en boca à se déplacer. Mais si le président de la République se déplace avec toute son armée pour venir me visiter dans ville, presque toute la ville va bouger et voudra savoir c'est quelle maison. Parce que le Seigneur est venu dans sa ville. Même si c'est une maison de hutte, même si c'est une maison méprisable, et que les gens n'aiment pas. Comme le Seigneur est venu et tiré attraction, et cela a tiré l'attraction, les gens vont tourner les regards pour regarder cette maison. Christ en nous, Christ au Katinabiso, l'espérance de la gloire, et l'Ikia Yango. Apocalypse 12 et Benyango, grand mystère. C'est pourquoi Apocalypse 12 l'appelait grand signe. Tango Bazomona, moi si wana, lorsqu'on voit cette Aladimoy. Enveloppé du soleil. C'est très grand. Et ça, il est mon néné. Comme mon akapamba, tes zambé, a salio moutoua moutouya. Il ne faut pas te sous-estimer. Le Seigneur t'a fait un homme de valeur. Pourquoi il m'a fait des panneaux? Parce qu'il est venu habiter en toi. C'est-à-dire, il est venu aussi résoudre tous tes problèmes. Alors, qui garde le silence, l'Éternel combattra pour vous. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, c'est que, c'est-à-dire, dans tout cela, totalisaki que s'opposui na elilingi Aaron, nous avions montré que si tu prends en six Aaron, na bana na ye, et ses quatre fils, aux hommes en est cinq bouches. Vous verrez comme s'il s'agit de cinq bouches. Mais tozoloba, yango tende cinq dons ministériels. Mais nous disons que ce n'est pas ça le cinq dons ministériels. Parce que bouche moko ezawana oyo Aaron est grand. Parce qu'il y a une bouche là d'Aaron qui est très élevée. Souverain. Très souverain. Quatre wana ezaba sacrificateur. Et les quatre autres sont des sacrificateurs. Moi, mais maman nionso otiango nakata cinq dons ministériels exacte. Il n'y a pas moyen que tu puisses les rassembler pour les mettre dans les cinq dons ministériels. Sinon, qu'on bibise un ministère moko grand. Sinon, tu feras d'un des ministères plus grand que donc, ceux qui n'étaient mutaza ou bien apôtre, aza grand que ma évangéliste, ma docteur, ma pasteur, ma docteur, ma pasteur. Bah, évangéliste. Si par exemple quelqu'un est apôtre, donc il est plus grand que les quatre autres grâces ministérielles. Or, ce n'est pas ainsi. Ministère Nyonso et Koukani. Tous les ministères sont égaux. Ce sont les grâces. Et ça va golou. Par Yambo. Et par. Moyen d'eau soit cinq bourgeois comme cinq ministères. Il n'y a pas moyen que nous prenions cinq bouches des cinq sacrificateurs là comme cinq dons ministériels. Donc, Ezali était quatre sacrificateurs, Bazana Katia, Moko et Ezali souverain. Donc, c'est qu'il y a quatre sacrificateurs qui sont dans un qui est le souverain sacrificateur. Yango awa wana réalité. C'est pourquoi ici dans la réalité. Tozomona quatre êtres vivants. Nous voyons les quatre êtres vivants. Apocalypse 6. Dans Apocalypse 6, tina quatrième saut, jusqu'au quatrième saut, toujours remarqué que Ezana voix et bimi cinq fois. Nous remarquons qu'il y a des voix qui sortent cinq fois. Donc, Ezana pour confirmer ombre. Donc, c'est pour confirmer ce qui était dans l'ombre avec nous. Et totalisé qui est rôle na yango Ezali otia kombo ya nzambe likolo ya libota. Nous avions montré que le rôle de ces bouches, c'est pour mettre les noms de Dieu sur le peuple. L'épouse a porté les noms de l'époux. Que l'épouse puisse porter les noms de son époux. Or,
le nom de l'époux où il y a Jésus-Christ la parole. Or le nom de l'époux qui est Jésus-Christ la parole. Colossiens 1 et Bengué Azali chef et la tête de l'Église. Et Colossiens elle appelle le cola mon tout peu mon côté ecclésia. Donc porta dit ça qui est mon tout et ça n'est pas être vivant des bazoya na yé na Église. Donc pour montrer qu'il est la tête, ce sont les êtres vivants qui les portent sur l'Église. Maintenant, ton loba qui l'obiboué. Maintenant, hier nous avions dit ceci. Voix au Ezobima Awana verset 6e. La voix qui sort ici au verset 6. Et le dit une mesure de blé pour un denier. Cette voix a dit une mesure de blé pour un denier. Trois mesures d'orge pour un denier. Et trois mesures d'orge pour un denier. Donc ce qui est total awawa. Donc si nous remarquons ici, Batumususu bazwaka écriture oyo. D'autres personnes prennent cette écriture. Oyezali na Apocalypse 6 verset 6. Qui est dans Apocalypse 6 le verset 6? Na le dit bien Batumususu. J'ai dit bien d'autres personnes. Basangisi yango na Apocalypse 13. Et les rassemble avec Apocalypse 13. Balobi na Apocalypse 13. Ils disent dans Apocalypse 13. Pour la bête. Concernant la bête. Lolenge ako interdire. Batu, bakoka ko somba ce qui bazangi marque de la bête. La manière dont la bête va interdire aux gens d'acheter ni de vendre. Si verset 16 à 17. Le verset 16 à 17. L'idée oyoyo ya kozwa. Verset 6 ya pour les 6. Cet enseignement de prendre le verset 6 d'Apocalypse. Kosangisa mona Apocalypse 13 verset 16 à 17. Et le faire marier à l'écriture du Apocalypse 13, 16 à 17. Roussel a été acquis déjà dans 1800. Charles Taze's Roussel l'avait déjà prêché dans les années 1800. Prédicateur et témoin de Jéhovah. Donc le fondateur de la doctrine des témoins de Jéhovah. Kozoa ma sceau. Et prendre le sceau. Kotiango après. Après temps et l'église. Et le placer après le temps de l'église. Et ça, l'était à chauvisme. Donc c'est l'enseignement des témoins de Jéhovah. C'est un faux enseignement. Écoute comment est-ce que lui dit. Verset 16 à 17. Il a pris le verset 16. Il y a Apocalypse 13. Apocalypse 13. Et lui, et fit que tous, petits et grands, paix à Salah qui était banso, Mike, Banamike, Pemikolo, riche et pauvre. Ba ton amboko pe babola libre esclave ba ton ansomi pe résiste une marque sur leur main droite et sur leur front ba soa elembo na loboko na bango ya mobali tope na butu na bango ba église mususu aveugle bazobenga marque wana nde vaccin ya COVID-19 et d'autres églises aveugles appellent cette marque le vaccin de COVID-19. Alors, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Marque de la bête et Goya dans l'église ici est le Mabili. La marque de la bête viendra après l'enlèvement de l'église. Et ça, c'est marque de la bête. Ce n'est pas que toi tu es ici sur la terre et tu vois la marque de la bête. Là, c'est péché Satan. Bible le Bible continue dans le verset 17e. Et que personne ne puisse acheter ni vendre. Sans avoir la marque. Le nom de la bête est le nombre de son nom. Alors, Roussel a sangissé qui verset 16 à 17. Na Apocalypse 6, verset 6. Et Roussel avait mélangé le verset 16 et 17 d'Apocalypse 13 dans. Avec Apocalypse 6, 6. Il avait mal prêché. Déjà 2 Pierre 2 et le Bagui. Déjà 2 Pierre 2 avait dit. Comme il y avait des faux prophètes au milieu du peuple. Le Kola Basakoulia, le Kouta Basalaki, Nakati Alibota Isalele. Il y a aussi. Les Lopé. Des faux docteurs. Bateya le Kouta Basalaki. Donc, Netika Nani. Roussel, un faux docteur. Comme le fondateur de la doctrine des témoins de Jéhovah. Un faux docteur. Un faux enseignant. Ce qui est le présent, ma bé, il faut le battre. Quand quelque chose est mauvais, il faut le dire. Et cela va te garder, toi, peuple de Dieu. Azopé qui se va transfuser par ton maquila.
Il refuse qu'on puisse transfuser le sang aux gens. Ce qui est le boudin. Donc si on fait le boudin par exemple, ils ne peuvent pas manger. C'est ça la doctrine des démons. Et ça lui pénalité à ma démon ami. Comme nous l'avions vu dans 1 Timothée 4. Prescrire bateau. Ils prescrivent aux hommes de ne pas manger des aliments que Dieu a créés. Ici, nous avions montré ceci. La voix qui sort ici dans Apocalypse 6. Est-ce que l'agneau peut dire ce qui est faux? Non. Non, bien l'agneau Jésus-Christ. L'agneau est allié. Il est mon quoi ça la vérité. Lui-même est la vérité. Amen. Trois mesures d'orge pour un denier. Et l'eau le bien. C'est la vérité. Pour y avoir la vérité. Si il dit trois mesures d'orge pour un denier, ce qu'il a dit là, c'est la vérité, car lui-même c'est la vérité. Sokalobi. Une mesure de blé pour un denier, c'est la vérité. S'il dit une mesure de blé pour un denier, c'est la vérité. Parce qu'il y a sa vérité. Parce que lui, c'est la vérité. De sa bouche sort la vérité. Maintenant, il y a un monde qui peut comprendre. C'est pourquoi nous avons voulu comprendre. Azoko s'adresse na nani. À qui l'agneau s'adresse? Azolo Bela. Cavalier. L'agneau s'adresse au cavalier. Awa Zolobela, cavalier, l'antichrist. Ici, l'agneau s'adresse au cavalier qui est l'antichrist. Est-ce que Jésus-Christ, l'agneau à Bobo, est l'antichrist? Est-ce que Jésus-Christ est l'agneau? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Chez l'antichrist. Il, devant les malins, a présenté toujours sa propre parole. Et devant le malin ou le diable, le Seigneur présente toujours sa propre parole. Deuxième Matthieu 4. Nous prenons Matthieu chapitre 4. Quand diable a été tenté. Lorsque le diable est venu le tenter. Le diable a été. Le diable est venu. Comme aussi le cavalier. Le col la paix pour Matthieu. A été tenté Christ. A été comme un Christ dans ma Seigneur. Tant qu'a tenté Christ. Lorsqu'il a tenté le Christ, Jésus-Christ a contacté toujours la parole. Et Jésus-Christ lui présentait toujours la parole. La parole a contacté son diable. Et cette parole-là, le Seigneur l'a adressée au diable. Et c'est la même parole que nous croyons. Et c'est la même parole aussi que nous croyons. Le diable lui dit, verset 3, il y a Ligue 4. Diabolo a émissé. La Ligue 4. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondait, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus a présenté le diable la parole. Jésus a présenté la parole au diable. Le diable l'ayant élevé. Diabolo a tombé la lui montrant un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te procèdes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Les diables le conduisent encore à Jérusalem, les plaça sur les hauts du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Verset 34. Selon Jérémie 51, le verset 34. Un jour, à l'otakindo. Un jour, il avait eu un songe. Dans Daniel 4. Dans Daniel chapitre 4. À mon avis, un grand arbre. Il avait vu un grand arbre élevé. Mais à mon avis, mais il avait vu encore parmi l'un de ceux qui veillent. Donc, ange, un ange abattait l'arbre. Pourquoi il s'en était?
Mais laissez les racines et les troncs enchaînés. Il n'avait pas compris ces songes. On cherchait Daniel. Daniel a eu expliqué. Et Daniel est venu donner l'explication. Parce que grand arbre, et parce que c'était un grand arbre sous lequel venaient se reposer tous les animaux. Nous savons que les animaux représentent les nations de la terre. Babylone dazalaki likolo ya mabikolo nyonso. Et en ce temps-là, c'était Babylone qui était élevé au-dessus de tous les autres. Et toute la terre cherchait l'alliance avec le royaume. Et ça, l'okola, lelo. C'est comme aujourd'hui, bien aimé. Tu es un pays de la terre. Il faut chercher à être en harmonie avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est comme l'arbre de la terre. Et tous les animaux viennent s'abriter. Si tu t'échappes de son contrôle, tu vas tomber de ton trône. Chaque temps, ils ont la kabongo. À chaque temps, il y a toujours un arbre. La terre est pissamina, toujours un arbre élevé ou bien un serpent. La terre est toujours remise entre les mains d'un arbre élevé ou un serpent. Dégitopessa, Esaïe 14, verset 29. Comme nous avons toujours donné Esaïe 14, verset 29. Jérémie 8, verset 17. Jérémie 8, le verset 17. Le Seigneur a comparé toujours puissante nation à un serpent aussi. Le Seigneur compare la puissante nation du temps à un serpent. Maintenant, tant qu'on a Daniel 4. Maintenant, dans Daniel chapitre 4. À mon message, il a vu ces messages. Après, m'a béni Daniel. Après, on a appelé Daniel. Daniel a voulu expliquer. Et Daniel est venu donner l'explication. Et puis, c'est roi. Il a dit, oh roi. C'était un Esaïe. Ce grand arbre-là, c'est toi. Quand tu l'avais vu être abattu, et qu'on n'a pas arraché les racines, et c'est l'avenir. Tu seras rejeté. Mais pour continuer, pour battre la main. Mais ton royaume ou ton trône sera gardé. Tu seras chassé dans la forêt pour être semblable au bœuf et manger de l'herbe comme lui. On ne joue pas avec le Seigneur. Il a pris le grand roi. Il a fait semblable au bœuf qui mange de l'herbe. Et ses ongles ont appris comme de l'aigle. Dieu est grand. Le Seigneur est tellement grand. Il faut y craindre. Il faut savoir les redouter. Aza au-dessus de tout. Aza Nicolo na manso. Au-dessus de tous les rois de la terre. Nicolo na continuons sur ma belle. Bible le dit, il est assis sur les cercles de la terre. Afani Nicolo pète à ma belle. Et il regarde ma bitin à ma belle. Ils sont comme des sauterelles devant lui. Loko la ma banque à Mikemike. Na ba milliardaire. Les savants, les puissants. Qui, ma grande affaire, Dubaï. Tous les gens riches là, Dubaï. Ils sont comme des petits sauterelles devant lui. Il les regarde, le coup là, ma banque qui a piqué, piqué dans ma belle. Et lui est assis ici. Il y a Fanny, il colo, colega. S'il regarde, non? Ce qui a tali mon Dieu. Retourne à la poussière. Tu ne vas pas résister à ça. Même si tu es corpulent, tu vas te fondre et tu retournes dans la poussière. Si tu dis tu vivras 900 ans sur la terre, tu vivras 900 ans. Ah, c'est Dieu. On a des amis. Et pas naïe, mot impossible dans la gâte. Chez lui, il n'y a pas de mots impossibles dans les tout choses. Est possible. Yon soit coca. Et c'est comme ça qu'il faut croire. Et c'est comme ça qu'il faut croire à ces dieux-là. Croire, car ça ma possibilité illimitée. Crois que ces dieux-là ont des possibilités illimitées. Donc, ils ont de l'autre côté où ils sont limités pour ça. Il n'y a rien qui pourrait l'illimiter pour opérer. Sont à cause de mon comme une paca, mais à Bali, à Bautissier. S'il peut donner des enfants à un vieillard, à Bonnie loi ménopause. Et puis il rend péremptoire la loi de la ménopause. C'est Dieu. Et ça ne s'appelle pas. Asa on décide tout non. Asa l'icolo va comme on y en se fait au tangama. Asa l'ikeba qui ne va pas kunda mutu.
Il a fait qu'on aille ensevelir quelque part. Là où il y avait les os du prophète Élisée. Lorsqu'on l'a jeté dans le sépulcre, la personne est ressuscitée. C'est dit. Les amis, ça fait. Il avait préparé que cet homme-là retourne à la vie. Il a séparé la mer en faisant d'un côté et d'autre comme des murailles. Aucun architecte sur la terre ne peut faire miraito. Aucun architecte sur la terre ne peut faire des murailles de la mer. Et Israël a passé terre et Zalaki sèche. Et Israël a passé la terre qui était sèche. Donc, quand vous avez le camer rouge, lorsqu'Israël traversait la mer, lorsqu'elle piétine la terre de la mer rouge, c'était sèche. Quel miracle! Mais quand moi, Nino, à l'année, tiens, je l'ai ma grande. Zabia Zali, mon nez. Il faut le voir dans sa grandeur. Il ne faut pas fixer ton problème de Dieu. Non. Le Seigneur a l'obagi. Le Seigneur avait dit. Ceux qui serpent mordraient. Si le serpent est mort. Talent de serpent de rang. Fixe les regards sur le serpent de rang. Au moment d'un problème, on est colo. Et tu verras que ton problème, la morsure va prendre fin. C'est le chemin que le Seigneur a tiré. Et ça, c'est là. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer le bien. Et par la grâce de Dieu, nous aurons à continuer demain matin. Le matin et le soir, selon la grâce de Dieu. Tout à l'ici, nous avions d'abord montré. Les seigneurs et pas à Nebuchadnezzar. Les seigneurs devant Nebuchadnezzar, roi du Babylone. A jugé Nebuchadnezzar par rapport à l'enseignement. Il avait jugé Nebuchadnezzar par rapport à son enseignement. A jugé Nebuchadnezzar par rapport à Deutéronome 8, verset 18. Il a jugé Nebuchadnezzar par rapport à Deutéronome 8, le verset 17. Verset 1 à Deutéronome 8, verset 17. Ces versets-là de Deutéronome, verse 8. Le verset 17. Et sa parole a paix à Israël, sa femme. C'est la parole qu'il avait donnée à Israël, son épouse. Alobaki kolobate na mutema na yo. Il avait dit, ne dis pas en ton cœur. Soko moni okomi na bozumi. Si tu te vois t'enrichir. Olobete oyonyo somamoko na saliamo na makasi na. Que tu te dises, je me suis acquis tout ceci par ma propre. C'est une parole. Et qui son épouse. Il avait donné à son épouse. Mais la même parole. Mais la même parole. A jugé dans mon Nebuchadnezzar. Par la même parole, il a jugé Nebuchadnezzar qui était comme un dragon, comme un serpent. Nebuchadnezzar qui était comme un serpent, un dragon. Nebuchadnezzar dans Daniel 4 azotambola azota la ville naïe. Nebuchadnezzar dans Daniel 4 parcourait sa ville de Babylone. Alors dit, oh Babylone, oh Babylone. La ville que j'ai bâtie par ma force et ma puissance. Dieu a utilisé Daniel Deutéronome 8, 17. Et le Seigneur a utilisé l'écriture de Deutéronome 8, 17. La même parole à personne qui son épouse en ce temps-là. La même parole qu'il avait donnée à sa femme en ce temps. A jugé la monnaie Nebuchadnezzar. Et par elle, il a jugé Nebuchadnezzar. C'est par là que je comprends. Et Salina, où en est-ce que je la même parole aux hommes, dans le verset 6e. Il y a Apocalypse 6. La même parole que tu vois dans Apocalypse 6:6. C'est vrai qu'à présentant bon, l'Antichrist. C'est vrai que le Seigneur l'a présenté à l'Antichrist. C'est notre parole. Esali l'ilomo ya biso ba pesa biso. C'est notre parole à nous. Esali l'ilomo ba pesa de biso. Trois mesures d'orge pour un denier. Trois mesures d'orge pour un denier. Et une mesure de blé pour un denier. Et une mesure de blé pour un denier. Définis ça qui dénier. Nous avions déjà défini c'est quoi le dénier. Aux yeux en bon à Matthieu 20. Tu prends cela dans Matthieu 20. Au temps que verset 9 et 10. Tu lis le verset 9 et 10. Dénier et ali salaire. Oyo ezo pesa ma pona ba ouvrier ko bazala ki avant. Pe pona ba ouvrier ba ye sima. Dénier et ali li fouti o bazali na ko pesa ba sali ya bilanga. Ya tongo pe ma ba zoya na pokwa. Basala bilanga ya tongo ezande basakoli. Donc les ouvriers du matin comme le prophète. Salaire indénier. Donc ils ont pour salaire indénier. Ya pokwa. Des bisognons sont pour vendre ma bière. Et les ouvriers du soir, c'est nous tous en commençant par salaire indénier. Et nous n'avons pour salaire que indénier. Akeleï a expliqué un mot lissus dans Jean 4. Il est allé l'expliquer encore dans Jean chapitre 4. En tout cas, pardonnez-moi si sa pensée. En tout cas, pardonnez-moi de finir ma pensée. Oh, pardonnez-moi. Tu m'as pardonné. Je m'entends que mon cœur n'a pas besoin d'encore retenir. N'accueillis dans Jean 4 maintenant.
Jean chapitre 4. Yoka lolenga zo expliqué dénier. Écoute comment le Seigneur explique c'est le dénier. Awa wazui na lolenga ya batoyo balona ki liboso. Ici il a pris la manière dont les gens qui avaient semé ou travaillé avant. Pe ba oyo baye kobuka. Et ceux-là qui sont venus moissonner après. Ceux qui avaient travaillé avant ou semé avant sont les prophètes de l'ancien. Et ceux qui sont venus moissonner sont les apôtres. Là, dans le verset 36. Là, au verset 36. C'est dans 38. Jusqu'au verset 38. Au moni, dans Matthieu 20. Vous voyez dans Matthieu 20. Bah, oh, bah, qui avant, salaire indéni. Ceux qui étaient venus avant ont pour salaire indéni. Bah, oh, bah, si, ma salaire indéni. Et ceux qui sont venus après ont pour salaire indéni. Maintenant, awa pe a suivi langage moussous. Maintenant, ici aussi, il a pris un autre langage. Verset 36. Le verset 36. Il y a Jean 4. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Oh, yazali kobou kazo zoali fouti manko. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Va définir un dénier. On a défini les déniers, les salaires. Dénier l'ingoloba. Les déniers veut dire vie éternelle. Bomo yaseko. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il y a un dernier vie éternelle. C'est ça, un dernier qui représente la vie éternelle. Maintenant, bah, oh, bah, qui avant, maintenant, ceux qui étaient avant, bah, là, qui a trois mesures. Avec trois mesures. Dans la loi, les psaumes et les prophètes. Parole de Dieu, toute la parole qu'il avait dit. Pour respecter mon amour, si tu les respectes en totalité, un dernier. Tu auras un dernier. C'est ce qui a le bénéfice. Et ça, maloba ko balobi na Apocalypse 6. Et na réalité maintenant le blé. Maintenant dans la réalité des choses, le blé. Et ça aussi un denier. Donc aussi a pour prix un denier. Maintenant problème est à la gande na motegi. Maintenant le problème c'est le vendeur. La balance. C'est lui qui a la balance. Voilà pour autant là, par la grâce de Dieu. Et là, nous allons le voir par la grâce du Seigneur. L'obi na tombo lolenge zamba ko sangisa biso encore. Demain le matin, selon que le Seigneur va nous réunir. Tombandeli na verset 6. Nous avions commencé au verset 6. Tombozonga na verset 5. Nous rentrerons au verset 5. Toujours la troisième saut. Toujours le troisième saut. Tamoupe tombozonga na deuxième saut. Tombozonga na deuxième saut. Lorsque nous allons rentrer au deuxième saut, nous allons le faire. Selon lenge zamba ko kamba biso ka. Selon que le Seigneur va nous conduire. Soit comprendre par la grâce de Dieu. Nous marcherons de manière que tous comprennent par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi nous disons que si tu as des questions, il faut toujours nous les envoyer. Nous chercherons à tout moment de les résoudre. Que Dieu te bénisse. Amen. Et la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Et que la paix du Seigneur est battue là. Et que la paix du Seigneur t'égare. Et ta joue sera agréable au nom de Jésus-Christ. Et besoin et réussir au nom de Jésus-Christ. Que tes activités réussissent au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'ouvre de bons chemins. Sois vainqueur. Bique la minéne na Zambé. Vive les grandes choses de la part. Maladie et ticaïo na Congo na Yesu. Que la maladie t'abandonne au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur est à Namoko na Moko. Et qui m'y a encore les à Namoko na Moko. Là, Angolo na Zambé encore. L'homme na Tongo pe na po. Et là, par la grâce de Dieu, retrouvons-nous demain le matin ce soir. Que Dieu bénisse. Zambé à Pambola. Oh.